Mais Sakura, c'est Jadstar et Rosalys, salut! Aujourd'hui, on joue à le le grand grand quiz quiz apéro apéro manga. manga! Yeah! On a joué au jeu Japan Expo. On enchaîne maintenant avec un jeu beaucoup plus actuel. On va voir si les réponses vont être plus fluides dans ce jeu-ci, Oui. moins vieux. Allons-y! Du coup, ouverture. Du coup, c'est beaucoup, beaucoup de cartes. C'est tout Je simple, présente ce comme sont des ça. cartes. Et Et du attention, coup, il y a la ok. réponse en dessous. Voilà. Donc, on se lit chacune une carte, Ouais. puis on essaie d'y répondre, tout simplement. Ok. Dans Hunter x Hunter, quelle est la condition pour que Mito, la tante du jeune Gon, autorise ce dernier à passer l'examen de Hunter? Permettant de devenir un aventurier d'élite. Réponse A, il doit réciter par cœur une page de calcul. Réponse B, il doit se soumettre à des corvées répugnantes. Réponse C, il doit pêcher un poisson géant. Alors, je sais que Jadstar connaît la réponse. J'en suis sûre. C'est pour ça que j'ai essayé de regarder sa réaction quand elle lisait les réponses. J'en sais rien, moi. Ça doit pas être la première parce que t'as souri. Ça doit pas être la page de calcul. Hein? À moins que ce soit l'inverse, c'est la page de calcul. Mince! À ton avis? Ah, oh, j'en sais rien. Ça doit être un truc drôle, débile. Corvée, pêcher un poisson géant. En vrai, pour un shonen manga, je dirais pêcher un poisson géant. Mais t'as eu. C'est ça? Ouais. Oh J'ai rigolé sur la première parce que Gon, il sait pas faire de calcul. Au bout d'un Ah, certain temps, genre, d'accord. il a de la fumée qui lui sort du cerveau et tout. Ah ouais, d'accord, ok. Comment on fait? Avec Morgane, on traçait des points. J'ai pas prévu de points. Ou alors, on garde une carte à chaque fois qu'on réussit, puis on compte le nombre de cartes à la fin. Oui, on peut faire ça comme ça, Ok, du coup. hop, non, Tiens. voilà. J'ai une nouvelle carte. Bah, je vais la mettre ici, là, à côté du micro. On échange? Ou Ouais, tu chaise musicale. tu Alors, c'est parti. Waouh, faut que je cache vite, hein. Quiz. Que désigne le terme otaku au Japon? A. Un passionné d'informatique. B. Un fan monomaniaque de manga. C. Un historien du manga. La B. B. Un fan monomaniaque de manga? Même si bon le mot monomaniaque n'est jamais utilisé, mais Réponse B. Un fan monomaniaque de manga, mais aussi de séries animées, de jeux vidéo, etc. C'est une carte victorieuse pour toi. Alors, dans le manga Fairy Tail de 2006 à 2017, le jeune héros Natsu Dragnir a été élevé par A. le maître du conseil de la magie, B. un dragon, C. un chat bleu ailé. Un dragon! Oui. Youpi! C'est quand même plus simple que le premier jeu. Ouais, c'est clair. Là, c'est des séries qu'on connaît, oui. Alors. Après, c'est aussi que sur les mangas, donc c'est pour ça aussi. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, attendez, on cache. Tadam. Devinette. Quelle création pour enfants mondialement connue est déclinée à la fois en jeux vidéo, en séries animées et en manga? Pokémon? Bravo! Ah! J'aurais peut-être réfléchi un peu, j'aurais pas pensé tout de suite à Pokémon. À moi aussi. Ah ouais, assez fou, hein? Ouais. Alors, c'est parti. Devinette, dans Naruto, que désigne le terme Genin? Je sais pas. Au secours. Attends. Je te laisse donner la réponse. Il s'agit du grade le moins élevé chez les ninjas. Oh! Ah, ouais. Ah oui, et une personne qui est gay. Ok. J'ai Oui, parce cherché que t'as Genin, compliqué. Chunin, et C'est tout. ça. Ah bon, bah, c'est une carte que je n'ai pas. Go. Quiz. Akira dans le manga éponyme. Est-ce que tu connais Akira? Ah, je vois vite fait de quoi ça va. Enfin, je vois de visu à quoi ça ressemble. Alors, donc Akira, c'est A, le chef de la bande des motards. B, l'adolescent à la puissance monstrueuse. C, un enfant au pouvoir psychique invisible. Oh là là. Comme ça, j'aurais dit B, mais je sais pas.
Donc, Réponse C. Ouais, j'hésitais. Pouvoir psychique. Bah, c'est pas faux, en fait, B aussi. Hein. Du coup, les cartes qu'on Je les gagne remets dans le pas, fond. tu les mets derrière? Attends, bah, je te laisse remettre derrière. Hop. Transfert. Autolargue. C'est parti. Oh, Lady Oscar encore. De quel manga la série animée Lady Oscar est-elle l'adaptation? A. Cardcaptor Sakura. B. Ranma en demi. C. La Rose de Versailles. La rose de Versailles! Oui. On n'a même pas besoin de regarder la réponse. Alors, c'est parti pour la nouvelle carte. De quel manga est adaptée la série animée connue en France sous le titre de Goldorak? Alors, A. Getter Robot. B. Mazinger Z. C. Groizer X. Ça, c'est presque de la culture, Et culture j'hésite japonaise. entre la A et la B. Ouais. C'est bien entre A et B. Le nom de la A me paraît juste bizarre, c'est tout, mais du coup j'aurais dit B. Ok. Et la réponse est B, manga de Go Nagai. Oui. Bravo! C'est la troisième carte. On est à égalité, là, mine de rien. Oui. Ok, comment s'appelle une série animée japonaise inspirée d'un manga? Quoi? Une adaptation animée, je vois pas c'est quoi, un animé Anime, je sais pas, c'est bizarre comme Bah, question. faut penser simple. Animé? Oui, un animé. Ok. Oui, Oh. c'est comment ça s'appelle une série animée japonaise. Du coup, c'est un Ouais. animé. Ok, bon bah, ouais. Des fois, faut pas chercher compliqué, comme tu dis. Oui. Vrai ou faux? Dans les Chevaliers du Zodiaque, les Chevaliers d'Or sont la caste la plus puissante des Chevaliers d'Athéna. Bah, en soi, oui. Ouais. Mais, enfin, oui. Oui, même si en vrai, c'est le Chevalier de Bronze qui font tout. Réponse vraie. Enfin, c'est le plus haut grade parce que en soi tu fais genre bronze, argent, or. Mais Ouais, mais c'est vrai que bah, dans l'histoire, on finalement, va c'est le dire c'est le chevalier de plus haut bronze gradé qui... parce que c'est tout ce qui va être les ceux qui sont dans les maisons d'or et tout ça. Oui. On est à parfaite égalité. Quiz. Trouvez quel monstre ne croise pas la route de Doron Shibimaru dans Le Petit Ninja en 1955? Vas-y, on n'était même pas nés. Ouais. Alors... Réponse A, hyène écorchée. Réponse B, éléphant mécanique. Réponse C, pieuvre en caoutchouc. Réponse D, monstre en chewing-gum. Je vais répondre monstre en chewing-gum juste parce que ça a l'air marrant. Mais j'en sais rien du tout. La réponse était la A, Hein? hyène écorchée. Bah. Donc il croise bien un monstre en chewing-gum. Incroyable, mais qui pouvait savoir ça? Franchement. Ok, suite. Quiz. Nora Kuro, qui connaît un franc succès au Japon à partir de 1931, au secours, met en scène A. Un chien vagabond qui s'enrôle dans l'armée impériale. B. Un jeune garçon qui visite des mondes parallèles. C. Un chenapan inspiré des comics américains. J'hésite entre On est la en A et la C. 2024, quoi. La A. Alors, un chien vagabond A. Réponse A. Bravo, manga de Suiho Tagawa. Jadstar prend l'avance. Jadstar prend de Oui. l'avance. Ok, ça va. On repart sur du facile. Ok. Quel est le personnage principal no surnommé la salamandre dans Fairy Tail? A, le docteur Slump. B, Naruto Uzumaki. C, Natsu Dragneer. Oui. Natsu Mais en fait, il y a plusieurs couleurs, mais en fait, sinon, je me demandais, c'est tout. Dragneer, oh! Des fois c'est quiz, des fois c'est devinette. Ouais, je me suis dit, est-ce que la couleur, c'est un rapport avec la difficulté de la question? Ah ouais! Bah ouais, je sais même pas.
C'est marrant, enfin, c'est vraiment des cartes juste pour passer un moment ensemble. T'as pas vraiment de but. Alors, vrai ou faux, dans My Hero Academia, tu lis ou tu regardes? J'ai regardé jusqu'à la saison 2, j'ai fini la saison 2. Ok. J'ai fait une pause. 80% de la population possède un pouvoir surnaturel. Vrai ou faux? Je sais pas si le nombre il est exact, c'est ça que je me demande, je suis en mode. On va dire vrai. Je sais plus si c'est 80, mais. Oh, réponse vraie. Bah, tu vois, je pensais pas. Moi, je croyais que c'était 99%. Non, je me disais qu'il y avait. En fait, je croyais que c'était un peu moins. Je pensais que c'était 75. Ah! Genre, moi, je croyais que c'était Non. tout le monde, quoi. Il n'y a que Deku Bah, qui l'avait non, il y a pas. au moins. Il y avait au moins 10% dans ma tête qui en avait pas. Ah, Pour ouais, comme X ou Y quoi. raison. Alors, laquelle de ces propositions ne renvoie pas à l'univers du manga Neo Genesis Evangelion? Alors, réponse A, Second Impact. Réponse B, sorcier. Réponse C, Tokyo 3. Réponse D, cataclysme. Alors, réponse B, sorcier. Réponse B. Ouais! C'était obligé que je l'aie cette carte. Alors, ensuite. Shatstar, devinette. Oh, bah encore! Dans Mais. My Hero Academia, à qui All Might choisit-il de transmettre son super pouvoir pour assurer la relève? Bah, Oh, des qu'est-ce que coups. c'est dur! Bah, des coups. C'est clair. Réponse au héros Izuku. Bon, bah, c'est C'est le son. même, hein. C'est le même, franchement. Qui l'appelle Izuku, en fait? Personne l'appelle Izuku. C'est juste son vrai prénom, mais. Ouais. Alors, laquelle de ces propositions est étrangère au manga Akira? Il aime bien ce manga ou. Ouais, celui qui a créé le jeu, l'aime Alors, beaucoup. réponse A, Troisième Guerre mondiale. Réponse B, Gang des pilules. Réponse C, Jeux olympiques de 2020. Réponse D, Mère de la décomposition. Quoi? Laquelle de ces propositions étrangères? Ça veut dire que ça apparaît pas dedans. Oh, j'aurais envie de dire Jeux Olympiques de 2020 parce que c'est beaucoup plus tard, mais en même temps, peut-être que c'était dans le futur. En vrai, je me souviens plus. Je me souviens de Tetsuo et Akira en mode décomposition, machin, mais. Bon, je sais pas, je veux dire Jeux Olympiques, mais sans trop savoir. C'était la réponse D, la mère de la décomposition. Ok, oh J'aurais pas su non plus, hein. Oh, maman. pardon. Oh. J'étais trop petite. Alors, c'est reparti. Hop, devinette. Quelle a été la toute première série animée japonaise? Oh, bah, vu le jeu Japan Expo qu'on a fait, Non, on a parce que peut-être un c'est. indice. Je sais pas si c'est la même chose, parce qu'en Ah soi, ouais, c'était. c'était la première série couleur. Ouais. Tandis que là, ouais. Toute première série animée japonaise. C'est dur, là, je sais même pas. Wow. Ça veut dire, faut considérer en noir et blanc. Genre comme le Mickey noir et blanc en version japonaise, je sais pas là. Oh là 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 là. Ouais. Et devinette, c'est dur parce que il faut que tu donnes une proposition, c'est pas réponse A, B ou C. Bah, je J'avoue, sais j'ai pas. pas d'idée, je sais pas. Bon. J'aurais dit Astro Boy, j'en sais rien. Réponse Astro Boy, Astro le petit robot en français, diffusé en 63 et 66 au Japon. Et tu vois, c'est pour ça que je pensais que c'était lui qui était le premier en couleur. Mais non, en fait, c'est le premier tout court. C'est la première série La animée. première série animée, ouais. L'autre, c'est pas une série animée, je crois. C'est un film. De quoi l'autre? Sur le premier jeu, par Ah exemple. bah écoute, je sais plus. Bon, du coup. On apprend des choses, hein, en même temps. C'est tout l'intérêt de ce genre de jeu. C'est parti. Trouver l'intrus dans cette liste renvoyant à l'univers du manga Dokkaben. Que je connais pas. Alors comme ça. Ok, réponse A, club de lycée. Réponse B, judo. Réponse C, baseball. Réponse D, Dr. Hell. Ça a l'air bizarre, Dr. Hell. Je veux dire Dr. Hell. Mais si ça se trouve, c'est pas Si, du c'est tout. ça. Ouais, une nouvelle carte! Oui. Ok. Vrai ou faux? Astro Boy est le premier manga à avoir été adapté en série animée. Du coup, oui.
Bah oui, je pense que c'est vrai. Vrai à partir du 1er janvier 63. En fait, si t'as bien joué au jeu, en fait, tu peux avoir la carte suivante. C'est ça. Incroyable. Lequel de ces vaisseaux n'appartient pas à l'univers de One Piece? Wow, comme ça va être compliqué. Réponse A, le Vogue-Mairie. Réponse B, l'Arcadia. Réponse C, le Thousand Sunny. Réponse B, l'Arcadia. Oui. Il Ouais! vient d'un autre truc, l'Arcadia. Oui, bah, ça vient de... Albator? Oui, Albator, hein. tout à fait. J'étais plus sur j'étais en mode, je crois. Albator. Hop. Quiz. Que signifie le terme Gekiga, qui désigne un genre de manga à destination des adultes? A, dessin sérieux. B, dessin dramatique. C, dessin érotique. Ah, je Dessin sais rien. sérieux. Réponse B, le courant Ah. fut lancé en 57 par Yoshihiro Tatsumi. C'était donc dessin dramatique. J'hésitais entre les deux. Ouais. Mais c'est pas possible. Dans l'animé Lady Oscar, quelle est la particularité d'Oscar? C'est une fille. C'est une jeune femme qui a été élevée comme un garçon par son père. Donc c'est bon. Youpi! Allons-nous tomber sur d'autres séries? Quelle est la particularité du manga Shōchan no Bōken 1923? Ah bah alors Toujours là, plus vieux, hein? c'est clair, on est en 2024! Alors, qui met en scène un petit Waouh, drap. ça a 100 ans. Oui, c'est clair. Un petit garçon et son écureuil. A. C'est un manga sans dialogue. B. La couleur apparaît pour la première fois dans un manga. C. Les phylactères apparaissent pour la première fois dans un manga. Les phylactères. C'est pas la B. Et je sais pas c'est quoi des phylactères. Je sais pas très bien, je dois dire. Je sais pas si c'est les onomatopées ou si c'est On va dire la A, un A. manga sans dialogue. Ouais, Peut-être que sans des images. doute. Réponse Ouais, C. bon, bah. Manga de Katsuichi Kabashima. Ok, Mais je sais bah. pas c'est quoi des phylactères, donc j'aurais peut-être répondu ça si j'avais su ce que c'était. Ah ouais. Ouais. Cherchons ce qu'est phylactère. Tu veux voir ce qu'est phylactère? Google. Phylactère. Recherche. Tu veux donner la réponse? Amulette talisman dans l'Antiquité grecque. Ça me paraît pas très cohérent. Bon, À bah. petite boîte carrée renfermant des bandes de parchemin sur lesquelles sont inscrits des versets de la Bible que les juifs orthodoxes portent au bras gauche et sur la tête pendant la prière du matin. Bon, je vois pas trop le rapport. Ah. Je vois pas trop le Moi rapport. non plus. Bon, bah. Mystère. Ok, c'est parti. Nouvelle série. Dans Détective Conan, le personnage principal, un lycéen de 17 ans, rajeunit et redevient un écolier de 7 ans. Comment est-ce possible? Il me semble, je sais plus très bien, mais c'est trop vieux. Mais je crois qu'il s'est fait injecter un produit. Je crois, un truc comme ça. On va dire que ça a compté correct parce que c'est une organisation criminelle lui a fait avaler une drogue mystérieuse. Ah! Donc en soi, oui, je le compte comme correct. Ok, merci. Jatsar, elle est très gentille, hein, vous Bah, il a noterez. avalé un truc mystérieux, une drogue mystérieuse, ça passe, hein. Ok. Alors, c'est parti. Quiz. Laquelle de ces références est introuvable dans le manga My Hero Academia depuis 2014? A. Lycée UA. B. Vision en infrarouge. C. Super-héros. D. Alien. Là, ça parle littéralement de super-héros. Le lycée, c'est vraiment son nom. Les aliens en soi. Est-ce qu'on peut dire que c'est fait référence avec la meuf en rose qui est en rose? Ah Ouais, elle a une ouais, apparence d'alien un peu, c'est même si vrai, c'est je pas sais ça. pas. Je sais pas si c'est compté ou pas, mais je pense pas que ce soit compté. Parce que bon, la vision en infrarouge, bah,
je me dis, ça peut être un truc qui peut arriver. Donc, est-ce qu'il a été question d'alien? C'est ça que je me demande. Là, je... c'est vrai que je ne saurais pas entre B et D. Vision en infrarouge, je suis sûre que ça qu'il y a dû avoir. J'ai pas mémoire, c'est juste bah, que je vois pas qui. Plus, mais... ouais. On va dire la B. Réponse ouais, bah, D. La D hein, forcément. Manga de Kohei Horikoshi. Ok, voilà. Hein J'ai pas. La petite note n'a pas toujours vraiment de rapport avec la réponse. Devinette. Dans Demon Slayer, le héros Tanjiro est à la recherche d'un antidote. Dans quel but? Pour sauver sa sœur. Oui. Pour rendre sa sœur humaine. Ouais. Moi, je tombe que sur du MHA. Alors que je regarde plus. Alors, du coup, tu tombes sur autre chose. Une de ces propositions est étrangère au manga Rave 1999-2005. J'avais laquelle? Mais Rave, tu sais, c'est par l'auteur de Fairy Tail. Mais bon, bah. Je vois, c'est quoi du coup? A. Royaume de Metallicana. B. Joyau maléfique. C. Pierre magique. D. Pluet, le petit animal. Ah! Alors, j'ai envie de te dire, la D me paraît suspecte parce qu'elle est dans Fairy Tail, mais la A me paraît suspecte parce que Metallicana, c'est le nom du dragon de Gadjil. Bon, les joyaux et les pierres magiques, ça, je pense que c'est dedans. C'est plutôt bien analysé, je pense. Alors, on va dire la... Attends, je suis en train de réfléchir. Non, on va dire la D. Réponse D. Il y a moyen qu'il y soit quand même. Ah, réponse A. Ouais. Manga de Hiro Mashima. Donc, Royaume de Metallicana. Je me suis dit, soit le petit animal, finalement, il est vraiment dans quasiment toutes ses œuvres et genre, c'est une référence, un truc comme ça. Ben oui, ça aurait pu, surtout qu'il aime bien faire ça. Bah justement, je me dis, c'est pour ça. Il y a moyen que c'est pour ça. Ah là là. Bon, j'aurais pas mieux répondu. Hein. Vrai ou faux, le vaisseau spatial du capitaine Albator se nomme le Grand Stratégère. Oh en, non, je crois pas, non. Parce que des fois, avec les traductions françaises, ça peut être tellement farfelu. Je vais dire non. C'est ça, c'est faux. Ah. Il se nomme l'Arcadia ou Atlantis. Oui. L'Arcadia, on l'a eu tout à l'heure. Et on m'a dit en plus que c'était le sien. Mais des fois, tu sais, sur un malentendu, une mauvaise traduction à un épisode... Quiz. Le titre du film d'animation japonais Le Vent se lève, réalisé par Hayao Miyazaki, est tiré d'un poème français. Tu l'as regardé, Le Vent se lève? Je sais c'est lequel et j'avais prévu de le regarder, mais je ne l'ai pas regardé encore. Qui est l'auteur de ce poème? A. Charles Baudelaire. B. Paul Valéry. C. Jacques Prévert. Réponse C. Bravo. Non, non, B. Réponse B. C'était B ou C, hein, mais... Le titre est tiré du vers « Le vent se lève, il faut tenter de vivre » du poème « Le cimetière marin ». Ah bon, bah ok, bah, c'était Jacques Prévert. Oh. Mais je ne savais pas non plus. Ah là là. C'était pas Jacques Prévert, c'était Paul Valéry. Ah oui, Paul Valéry. Oh. Quiz dans « Vagabond ». Depuis 1998, Takehiko Inoue s'inspire d'une figure japonaise historique, Miyamoto Musashi, connue pour ses exploits en A. Escrime, B. Navigation, C. Alpinisme. Je vais dire escrime, je pense. Normalement, oui, parce que c'est... genre, tu le connais en Miyamoto Musashi, le samouraï, un truc comme ça. Oh, ici. Ok. C'était un peu trop évident, je pense. Ouais, c'est clair. T'as des cartes, c'est vraiment hyper pointu, et d'autres, c'est facile. Devinette. Oh, c'est bien. Quelle est la particularité physique de Son Goku, le héros de Dragon Ball 1984-1995? Est-ce que c'est le fait qu'il ait une queue de singe? Je pense, ouais. Je pense, parce qu'à part ça, je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut y avoir. Oui. Et qu'il vieillisse pas, parce que bah, c'est un Saiyan, mais... à partir d'un certain âge, il vieillit moins vite. Ouais, et il a les cheveux qui ne poussent pas. Oui, aussi. Et quand il regarde la lune, il se transforme en singe. Enfin, bref, la particularité, en fait, il y en a plein.
Réponse, il a une longue queue de singe. Bravo! Maintenant, il l'a plus, hein, mais... Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu avec. Bah, c'est normal, il a été enlevé. Ouais, mais des fois, ça repoussait, et puis après, bah, ouais. C'était re-enlevé. Quiz. Dans Slam Dunk, comment est surnommé le personnage principal Hanamichi Sakuragi? A, le moine roux. B, le chevalier roux. C, le bonze roux. J'en ai aucune idée. Je vais dire le bonze roux. Moi, j'aurais dit la A. Ok, c'était le bonze roux, donc c'est bon. Ah, bah, c'est... Je trouve que ça sonne hyper mal. Ouais, c'est vrai. En français, ça ouais. Passe mal, ouais. Probablement, peut-être qu'en japonais, ça sonne mieux, mais en ouais. Français, ça sonne moche. Quiz, quelle est la particularité du robot géant Mazinger Z, imaginé par Go Nagai 1972-113? Toi, tu tombes tout le temps sur les cartes Go Nagai. Hein. Mm-hmm. A, il est composé de 3 robots distincts. B, il est piloté de l'intérieur par un humain. C, il vient d'une autre planète. J'aurais dit C. Réponse B. Ok, bah, j'hésitais. Mais il est piloté de l'intérieur par un humain. Ok. Le concept du robot géant. Devinette. Quel objet entrait dans les foyers dans les années 1950 est surnommé le Kamishibai électrique par les Japonais? La télé? La télé. Ouais! Ouf! C'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Tu sais ce que c'est le Kamishibai? C'est en fait, t'as plusieurs dessins et en fait, tu les enfiles dans un cadre. Ah! Et puis ça fait un petit théâtre, il y a quelqu'un qui doit raconter l'histoire. Ok. Alors, quiz. Oh, encore ! Dans My Hero Academia, quel est le rêve du héros Izuku ? A, vendre son âme au diable pour devenir un super-héros. B, assister à l'entraînement d'un super-héros. C, intégrer la filière super-héroïque du lycée Yue. La réponse est... Oui! En fait, là, tu dois avoir plein de cartes qui sont My Hero Academia. Ouais. Devinette. Le manga Akado Suzunosuke, de 1954 à 1960, met en scène une figure traditionnelle japonaise qui fut interdite durant l'occupation américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Laquelle? J'en ai aucune idée. Oh, je sais pas, qu'est-ce qui peut être interdit par les Américains? La bombe atomique? J'en sais rien. Une figure traditionnelle japonaise, la bombe atomique. Ah, oh, mais j'en sais rien. Une figure traditionnelle. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait... Ok. Bah, je sais pas. Blanc. Je sèche. Le samouraï. Hein ? Le samouraï à travers un jeune guerrier passé maître dans l'art du kendo. En gros, c'est parce que du coup... c'est parce que c'était durant l'occupation américaine. En gros, c'est si t'es en mode... tu donnes l'idée aux jeunes qui peuvent devenir des samouraïs et du coup se rebeller. Et ça, c'est pas bon. Mm. Je pense que ça doit être un truc dans le genre. Ouais. Oh là là C'est difficile, hein, des fois, leurs questions. Quiz. Laquelle de ces propositions ne se rapporte pas au Kamishibai? Ah bah, heureusement que je t'ai expliqué ce que c'était. Hein. Un genre en vogue au Japon au début du XXe siècle et voisin de la bande dessinée. A. Théâtre de papier. B. Spectacle de rue. C. Carton illustré. D. Phylactère. Encore? Bah, spectacle de rue. Laquelle de ces propositions ne se rapporte pas? Ok. Réponse D. Hein? J'en sais rien, moi. On sait toujours pas ce que c'est qu'un phylactère, en fait. Bah, je pense que, justement, ça correspond à rien, ce phylactère. Donc, je pensais que t'aurais dit phylactère. Ah, quelqu'un arrive. Je vais ouvrir, on va faire la conclusion, du coup. Oui. Ah, bon, bah, il va ouvrir. Bon, bah, on conclut notre vidéo. Alors, pour conclure, combien de cartes avons-nous? Qui remporte la partie? 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes! Wow!
Eh ben, c'était un très bon moment de passer ensemble. Oui. Finalement, t'as préféré ce jeu-là ou le jeu de Japan Expo? En fait, celui-là, il était un peu plus simple si on oubliait les phylactères. Ouais. Bah, on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et mettez un like. Et mettez un like. Bye bye.